Bienvenue à cette nouvelle session Lunch de Plaque Tournante. Aujourd'hui, on reçoit Thierry Bruyère. On commence tout ça avec Rêver plus fort. Je cherche encore une nouvelle chanson pour le réveil, pour que demain mes rêves soient moins difficiles à enterrer. Rien de pire qu'une alarme pour donner l'impression d'être prisonnier de l'ennui qui s'installe un peu plus à chaque jour dans ma vie d'adulte. Dans ma vie d'adulte, chaque matin, c'est pareil. Les journaux vomissent la même histoire. On expose la misère en format pratique et télévisuel. On s'indigne, on oublie. On achète un café qu'on jette aux poubelles. On travaille en silence, on subit et on finit par attendre encore. Au coucher du soleil, on ira danser, rêver plus fort, de trouver quelqu'un qui saura nous aimer. Journée, on ressort du travail encore fatigué. On empile la vaisselle. On se dit qu'un jour on va redécorer. On prépare la soirée et on s'habille avant de redécoller. La tête vide, le cœur plein. On espère enfin ne plus avoir à attendre. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Salut, je suis vraiment content de te recevoir ce midi. Je suis vraiment content d'être là. Ben, tant mieux. Écoute, t'as sorti Rêver plus fort, ton nouvel album, le 20 octobre dernier. Oui. C'était ton premier album en 5 ans environ. T'avais le EP Deux Planètes quand même qui est paru l'année passée. Ouais, j'ai un EP qui est sorti 2 ans avant, mais c'était mon premier album depuis 2012. Mais t'as pas été. C'est pas comme si t'as chômé entre-temps. Non, pas nécessairement. T'as quand même fait la voix. Oui, effectivement. Comment ça s'est passé, cette aventure dans le monde mainstream? C'était une aventure quand même assez surprenante. C'est un moment dans ma vie où j'avais bien des doutes. J'étais pas trop sûr. Puis à un moment donné, on me proposait de faire ça.
Puis j'ai proposé des chansons sans aucun comme compromis, en fait. Là, c'était vraiment, je me suis dit, je vais proposer, proposer de chanter du Niagara. Puis ben, c'est ma proposition, mais ils l'ont accepté. Fait que, nice. Puis on l'a fait exactement avec le band comme je voulais. Ouais. Fait que j'ai vraiment fait ce que j'avais le goût de faire. Puis après ça, je me suis dit, ben, il arrivera quelque chose, puis personne ne se retourne. Puis au fait, j'aurais fait quelque chose que j'aime. Puis finalement, ben, c'est ça, il y en a qui sont retournés. Fait que ça... C'était une aventure un peu surprenante. Puis j'ai rencontré vraiment du monde intéressant sur ce plateau-là. Puis malgré tout, pour ton nouvel album, t'es retourné à tes anciens amours avec Navet Confit, oui, qui a réalisé ton album. Comment ça s'est passé, le processus d'enregistrement, tout ça? Ben c'est ça, Navet, on avait travaillé ensemble en 2012. Puis pour le nouvel album, ben on était restés, on jouait ensemble aussi, puis donc on restait en contact. On est des bons amis, là, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Puis... Puis tu joues avec... avec Lydia. Avec Lydia, aussi, qui est aussi batteur pour Navet Confit. Exactement. c'est ça, on continuait à se parler. Puis je disais que là où je voulais m'en aller un petit peu, je savais que je voulais avoir une direction un petit peu plus, plus post-punk, un peu plus new wave avec l'album. J'avais des chansons, on a travaillé ça ensemble. Puis ça a été vraiment excitant. T'allais travailler au studio de Pilou, le studio Lenny. Puis, on s'est comme enfermé dans une bulle. Il m'a proposé qu'on fasse ça. Puis, ça a été vraiment super productif. Puis, depuis, tu as enchaîné un peu les spectacles. Tu en as un qui s'en vient la semaine prochaine à Sorel. Ça s'est passé. Ouais, j'ai un show à Longueuil, à la Maison de la Culture, le 23. Puis, après ça, on fait Noël dans le parc en décembre. Puis, le 2. Puis, on fait un Quai des Brumes de Noël le 14 décembre. Fait, avec des trucs de Noël. Puis, tout. Ouais, tu vas être content. Ouais, moi, je vais être content. J'aime toujours les événements de Noël au Quai des Brumes. Et puis, sur l'album, t'avais-tu une volonté de t'en aller dans une certaine direction? Parce que c'est encore, je veux dire, tu fais de la pop, mais tu fais de la pop qui sort un peu des sentiers convenus. Là. On n'a pas l'impression d'entendre... 156e qui fait la même chose. T'as tout le temps comme des influences qui arrivent un peu de partout. Ouais, ben en fait, c'est ça. J'essaie de... Tu sais, il y a des affaires qui reviennent puis qui repartent à la mode, mais j'ai toujours trippé sur Indochine puis sur The Cure, puis sur Joy Division, puis sur The Smiths, des affaires comme ça. Fait que ça... C'est quelque chose que j'avais le goût d'incorporer un peu plus qu'avec mon premier album où je me cherchais un peu plus encore. Puis là, je voulais faire des clins d'œil, je voulais pas comme. C'est ça, c'est un peu. Tu sais, il y a un peu des mini-hommages dans toutes les chansons. C'est toujours. C'est de faire référence à des choses, il y a un peu du bashung, tout ça. C'est ce qui m'a influencé, puis c'est ce qui m'a marqué vraiment. Fait que ça fait que j'ai vraiment. Des fois, c'est quasiment grunge, comme. Ça m'a bien gros fait penser à Weezer. Là. Ouais, ben c'est ça. J'ai beaucoup. C'est, dans toutes les choses que j'ai jouées, je dirais que Weezer fait partie du top aussi. C'était des influences qui étaient là, puis je m'entendais bien avec Navet pour ces influences-là. On voulait pas essayer de faire autre chose nécessairement, mais on voulait faire quelque chose qui faisait écho à ce qu'on aimait. Ouais. Parce que c'est pas non plus. C'est pas non plus une version. Cheap ou c'est pas non plus, on n'a pas l'impression que t'as le nez collé sur tes inspirations, mais plutôt que ça vient juste comme colorer. Puis ça vient c'est ça, c'est vraiment c'est le bon mot, là. Ça vient colorer en fait. On ajoute des textures qui viennent un peu partout. Il y a des clins d'œil qu'on peut reconnaître. Là. Il y a des solos à la Cure, puis des choses comme ça qu'on se dit on veut le faire. C'est juste un clin d'œil, c'est juste sympathique. Mais le but étant que, c'est ça, j'arrive avec des chansons, puis tout le reste, là, c'est ça, les textures, l'habillage, ça, les couches qu'on rajoute, le vernis, est teinté par les influences. Mais le reste, c'est plus... En fait, la grosse chose que j'ai appris de la voix, là, c'est vraiment, c'est niaiseux, mais les choses qu'on m'a dites, c'est, tu sais, ce que tu fais, même si t'es un peu bébite, tu sais, n'aie pas peur de t'assumer puis de faire ce que tu fais, tu sais. Arrête d'essayer de te chercher dans autre chose, puis d'essayer de te comparer, fais ça, tu sais, puis développe-le, tu sais, puis essaie de le faire mieux. Puis c'était le meilleur conseil, puis c'est ça que j'ai essayé de faire avec cet album-là. Ben, ça marche très bien. Ah, yeah! Écoute. Et puis, là, on va continuer en chanson avec Au service de Sa Majesté, qui était ton premier single que tu as sorti pour l'album. Oui. Au réveil, c'est toujours pareil. Les héros disparaissent sur fond blanc. Fini les princes charmants. Thank you.
achetez-le. J'aime les filles comme à la télé. Elles me permettent d'oublier ma famille à qui je ne parle plus et ma femme qui ne m'aime plus comme avant. Comme avant. Merci beaucoup, Thierry. Merci. J'avais oublié, on a une téléspectatrice qui nous a demandé une question. J'avais oublié de te demander. Fait que, c'est quoi ton totem? Je sais pas si je suis à l'aise de répondre à cette question-là. Mais je peux te dire que si j'avais comme un animal, tu sais... Ouais. En fait, je serais probablement la loutre, là. La loutre. Ouais. Nice. Je trouve ça une très belle façon. merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Lydia, d'avoir été avec nous ce midi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Val Thomas. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.